Alors, un petit tour de cartes, c'est du mentalisme. Je vais vous faire d'ailleurs que des tours de mentalisme. Alors, ça se fait avec un jeu de cartes, 52 cartes. Alors, comme vous pourrez le constater, j'ai un jeu de cartes qui est dans l'ordre. C'est normal puisque je viens de le sortir. Hop. Donc, je vais vous donner chacun une partie. Vous allez le mélanger. Au moins, comme ça, on est sûr et certain que le jeu est bien mélangé et qu'on ne puisse pas penser que c'est moi qui mélange le jeu et qui met des cartes dans un ordre bien spécifique. Dans tous les cas, ça ne servira à rien. Mais, ça peut se penser. Voilà. Tiens, mélange tout en même temps. Voilà. C'est vrai que comme le jeu était peut-être... Ouais, ça va. Allez, ok. C'est bon ? Je vais séparer le jeu en deux. De façon à faire deux tas, en fait. Hop. Boum. Super. Et Zibé, ce que je vais te demander, c'est que je vais défiler comme ça les cartes. Et quand tu voudras, tu me diras stop quand tu veux. D'accord ? Pour pas qu'on puisse penser que je m'arrête où tu veux. Si tu veux, on pourra aller plus loin ou revenir en arrière. D'accord ? On fera comme tu le souhaites. Allez, je défile, tu me dis stop quand tu veux. Top ! Ici ? Allez. Tu veux pas que j'aille plus loin, plus... Moi, ça me paraît bien. Allez, tu regardes l'index de ta carte, tu ça le y vois. Est. Je sais pas si tu arrives à le voir, la caméra le voit. Oui ? Oui. C'est bon ? Ouais. Et tout ça, je lâche, et tout ça va être perdu complètement dans le milieu du jeu. Et pour le prouver, alors on sait jamais, puisque là tu m'as dit stop où tu voulais, je vais te montrer les cartes, d'accord ? Tu me dis rien, ok ? Donc je vais te les montrer assez rapidement quand même. Voilà. Et ta carte n'est pas dessus ni dessous ? Je dis rien. D'accord, tu dis rien. C'est parce que si elle est dessus, on pourrait penser que je la regarde et tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais laisser le jeu, comme ça, étalé. Et tu vas prendre du dessus du jeu, je sais pas, par exemple, une, deux cartes, une par une, et tu vas les déplacer vers le bas du jeu. D'accord ? Ça va, donc, ça va faire pour effet de forcément déplacer ta carte. Si ta carte était, par exemple, en 1, 2, 3, 4, 5, si tu enlèves deux cartes, elle serait plus qu'en troisième. Et comme ni moi, ni vous, sachons en quelle position est ta carte, du coup, ben, ça sera vraiment le pur hasard. Alors, je t'aurai pas les cartes. Vas-y. Donc je fais une par une ou... Ouais, ouais, ou deux par deux, mais c'est pareil, de toute façon. Hop, et je vais jusqu'à temps que j'en ai marre. Comme tu veux. Voilà. C'est bon ? Ça me plaît. Voilà. Maintenant, on sait plus en quelle position est ta carte. On sait que forcément elle a changé. En partant du dessus, bien sûr, hein, même en partant du dessous, mais on ne sait pas. Dans tous les cas, je ne connais ni ta carte, ni la position, puisque j'étais le dos tourné. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais étaler le jeu, et je vais essayer, alors il faut me laisser quand même une bonne dizaine, voire quinzaine de secondes, mais je vais essayer de mémoriser les cartes par cœur, d'accord ? Toutes les cartes. Alors tu pourras, bien sûr, compter toi aussi, si tu vois ta carte, sans t'es obligé de la voir. Mais bien sûr, tu ne me dis rien, très important, d'accord ? Allez, go ! Hop, je vais s'étaler. Vous me laissez à peu près 10-15 secondes. Hein. Ok. Allez, go. Allez, ok. Tu as vu ta carte ? Ouais. Tu as eu le temps de même voir en quelle position elle était ? Non, t'as même pas compté ? Je sais pas. Ouais. Ta carte était plutôt vers le bas du jeu, enfin, c'est-à-dire vers ici, vers le milieu ou vers la fin ? Plutôt vers là-bas. Plutôt vers là ? Ouais. Oui. Vers là, ouais. Vers là ? Ok. Plutôt vers là. Alors, c'est une carte rouge ou une carte noire ? Rouge. Rouge.
C'est du, donc du cœur ou du carreau? Ah, je te dis. Oui. Cœur. Cœur, une carte rouge à cœur. Carte rouge à cœur. 5, 3, 8, 11, 12, 24, 21, 32, 38, 37, 42, 42, 3, 44, 45, 47, 50, 52. Une carte à cœur. Quel était le nom de ta carte? La dame de cœur. La dame de cœur. Dame de cœur. Hmm, dame de cœur. Dame de, bah, dame de cœur, dame de cœur, dame de cœur. Dame de cœur. Dame de cœur. Il y avait... Je le sais parce qu'il est dame de cœur. Elle est deux cartes après le 5 de trèfle qui est en 17e position. Ta carte est en 19e position. 19e. Dame de cœur. Je ne m'en rappelle plus la 18e d'ailleurs. Je sais que le 5 de trèfle est en 17e. Et ta dame de cœur en 19e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retiens. 3 de trèfle en 17e et dame de cœur, c'est ça, dame de cœur en 19e. 10. 3 de trèfle, 3 de trèfle. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 de trèfle. Tu vois que j'avais un souvenir. 17, 18, 19. 20, 21, 22, et ainsi de suite. Zibé, tu m'as dit que ta carte, c'était la Dame de cœur. Tout ça en 19e position. Si c'est des applaudissements, c'est que c'est exact.